Je répète encore ce qu'on appelle extraterrestres. Ça veut dire les êtres qui ne sont pas de la Terre, les êtres venus d'ailleurs, les êtres de l'extérieur. Et moto, celui qu'on appelle moto. Écoutez attentivement encore la révélation. Moto, le premier homme, c'est un extraterrestre. Est-ce que vous comprenez? Le premier homme, c'est un extraterrestre. Pourquoi? Le premier homme noir universel, c'est un extraterrestre, mais pas un extraterrestre dont on veut faire croire, c'est-à-dire on dessine, on imagine. Non. Il est extraterrestre pourquoi? Son corps physique vient de la dimension visible de la Terre. Or, son esprit vient du grand ordre des choses. Donc, son esprit, c'est un être conscient qui vient d'ailleurs, hors de la Terre, maintenant qui se manifeste et il va fusionner avec son autre lui qui est visible. Et c'est ce qu'on voit, l'homme noir universel. Eh oui.